embrassera tous les enfants de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, pour la phase de protection que j'ai lancée pour récemment à Colda il y a quelques mois, qui continue. Et ce bouillonnement permettra véritablement à repositionner l'athlétisme sénégalais en direction de 2026 et de Mbada, des médailles. Et en tout cas, une bonne participation aux Jeux de l'Athlétisme. Le chemin est encore long, il faut continuer à l'image de ce que beaucoup de disciplines font. Et comme j'ai l'habitude de dire, le comité d'organisation organise, les fédérations préparent les athlètes. Bien entendu, le comité olympique, comme il a fait pour les athlètes qui font le chemin de qualification de Paris 2024, continuera à être à. Mais tous ensemble, nous allons y arriver. C'est un bon test pour vous, dans le domaine de l'organisation. Alors c'est très important, c'est vraiment la dimension, l'une des dimensions les plus déterminantes que moi je retiens. Avoir l'opportunité d'avoir le marathon en 48 heures, une marathon en 48 heures dans la ville, qui nous a permis, qui appelle nos organisateurs et à nous bien entendu en tant que partenaire de l'EFH, la fédération dans cette activité, de tester tous les dispositifs. Le dispositif sécuritaire, le dispositif de balisage, le dispositif de d'organisation, de préparation, mais surtout un aspect très important, l'organisation de secours. On sait que le marathon est très exigeant pour les athlètes, mais avoir le dispositif qui a permis d'être présent sur tout l'itinéraire, de pouvoir intervenir en temps réel pour que chaque fois qu'un athlète a une difficulté, que les services de secours et de soins soient là. Une autre dimension très importante et que les gens oublient souvent, c'est la dimension présentation sportive. Ce que nous avons vu en termes de logistique, en termes de communication, c'est autant d'éléments dont nous avons besoin en 2026. Vous vous imaginez ce que nous avons aujourd'hui avec le marathon FH, multiplié à l'échelle de 35. C'est ça les JOJ. Donc véritablement, c'est un entraînement. Nous sommes sur le chemin. Et des épreuves comme ça, on en demande aussi. Et c'est ce qui justifie notre présence à côté des organisateurs.